بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدة نائب المدير سيدة وسادة الحضور السلام عليكم. Donc avant de commencer, donc vous constatez très bien que la présentation, donc elle était prévue de, donc c'était ma collègue qui devait la présenter, donc qui est ici présente, mais malheureusement pour quelques soucis de santé, une irritation à la gorge, donc je vais faire la présentation moi-même. Et même si moi-même j'ai quelques irritations de la gorge, mais je suis en bien meilleure forme que ma collègue, donc pour pouvoir vous raconter ce qu'elle devait vous raconter aujourd'hui. Donc avant de commencer, donc je tiens très sincèrement à remercier l'Université d'Oran 1, tous les collègues qui sont présents ici pour l'invitation. C'est un réel plaisir pour nous d'être présents parmi vous, donc aujourd'hui. Et je profite de cette occasion pour vous dire à vous tous, donc marhaba bikoum à tout moment, l'ouhti habitou au CTS. Donc je me présente, donc c'est Moussa Soufiane Karoui, donc je suis chercheur au Centre des Techniques Spatiales d'Arzeu, donc qui est une entité opérationnelle de l'Agence Spatiale Algérienne. Et celui qui ne connaît pas l'Agence Spatiale Algérienne, l'ASAL, donc c'est l'institution qui est en charge du programme spatial national. Donc, on a commencé ce matin avec des aspects techniques. Après, on a basculé vers des aspects plutôt pédagogiques. Et je vais rebasculer encore une fois vers des méthodes ou bien des aspects plus ou moins techniques. Mais je vais essayer de rester mais vraiment superficiel sans aller vers plus de détails, vers plus de techniques. Donc je vais essayer de rester plus ou moins platonique. Et j'espère que cette présentation, elle va être attractive, notamment pour nos chers étudiants, nos chers doctorants. Donc c'est une présentation qui s'articule principalement sur du traitement de signal, traitement d'image, imagerie satellitaire. Donc c'est une présentation donc, dont le nom c'est les méthodes d'unmixing pour les données de télédétection spatiale. Donc bon, désolé, ma présentation, les slides, ils sont en anglais, mais je vais parler en français et éventuellement en arabe. I think it's more easy for you and for me for the presentation. Donc je vais parler en français, éventuellement je vais aussi utiliser de l'arabe pour que ça soit plus facile, pour que le message passe plus facilement, et en particulier pour les étudiants. Et encore une fois, j'espère que cette présentation, elle va être attractive pour eux. Donc, c'est une présentation donc, dans laquelle je vais parler de méthodes de traitement d'image, en particulier des méthodes qu'on appelle des méthodes de démélange spectral. Donc, cette présentation, donc, je vais essayer d'aborder quatre points principaux. Donc, je vais commencer par une petite introduction. Donc, par la suite, je vais exposer un petit peu le phénomène dont on parle dans cette présentation. Après, le troisième point, donc, qui va concerner certaines méthodes, ou bien le concept, ou bien le principe de base des méthodes pour lesquelles j'expose aujourd'hui. Et à la fin, je vais parler de certaines fonctionnalités qui sont issues de ce type de méthode. Donc, en guise d'introduction, j'ai envie de vous définir un petit peu c'est quoi les données de télédétection spatiale, en particulier les images dites optiques, parce qu'il faut savoir il y a quasiment trois types d'imagerie. Donc il y a l'imagerie optique, c'est Kimetchouf Line, il y a l'imagerie radar, il y a d'autres types d'imagerie, ou bien d'autres types de données, qui les LIDAR. D'accord. Donc là, il s'agit de données optiques, donc Kima. C'est des données qui mettent sur line. Donc, c'est quoi les données? Généralement, c'est des cubes 3D, donc qui sont indexés par deux paramètres qu'on appelle deux dimensions, c'est des dimensions spatiales. Et le troisième indice, c'est la dimension spectrale des données. Donc là, donc lorsque il faut aussi dire que les images de télédétection spatiale optique, donc c'est des cubes, c'est une sorte de tenseur, c'est une sorte de matrice augmentée. Et donc, et pour chaque matrice, donc on a des positions, c'est ce qu'on appelle des pixels. Donc lorsqu'on va fixer une position, c'est-à-dire un pixel, et on va regarder toute la dimension spectrale, donc là on parle de spectre observé.
Par contre, lorsqu'on fixe la dimension spectrale et on va regarder toutes les positions x, y de notre image, donc là, on parle de bande spectrale. D'accord? Donc maintenant, bon, je reviens rapidement. Donc pour dire que lorsqu'on fixe une position et on va regarder toute la dimension spectrale, donc là, on parle de spectre observé. Et ce qui est intéressant dans le traitement des données ou bien la manipulation ou bien l'utilisation des données de télédétection spatiale, c'est qu'on essaye de regarder tous les spectres observés, tous les pixels qu'on observe. Donc chaque pixel, il va contenir un spectre observé. Et l'analyse de ces spectres donc, permet de quantifier et de cartographier les éléments de surface ou bien les constituants de surface. Ce qu'il faut aussi retenir, et c'est quelque chose que je répète à chaque fois, donc l'objectif principal de l'utilisation des données de télédétection spatiale, c'est d'essayer de restituer une certaine vérité terrain à une échelle donnée pour une application donnée. Ça, c'est un objectif primordial qu'il ne faut jamais oublier. Parce que les gens qui font de l'informatique, les gens qui font du traitement d'image, les gens qui font du traitement de signal, qui développent des méthodes, parfois ils ont tendance à oublier d'aller vers beaucoup de développement avancé et par des méthodes très complexes et on oublie l'objectif principal, l'EOA c'est quoi? Ben, on veut restituer une certaine vérité terrain. Donc il ne faut pas s'éloigner trop de cet objectif. Donc toujours rappeler l'objectif, qu'est-ce qu'on veut par l'utilisation des données de télédétection spatiale? Bah, c'est restituer une certaine vérité terrain à une échelle donnée pour une application donnée. Donc ça, c'est un objectif primordial qu'il ne faut pas oublier. Donc, ce que je disais, c'est l'analyse des pixels observés, l'analyse des spectres observés. Donc, ça permet de quantifier, de cartographier et donc de restituer une certaine vérité, la vérité terrain qu'on souhaite restituer. Et l'un des principaux disons, process de traitement de ces images, l'un des principaux process d'analyse de ces spectres, c'est ce qu'on appelle le domaine du machine learning, c'est de faire de la classification. Donc la classification, c'est quoi? Donc on va prendre un pixel et on va le regarder. Gal hada c'est quoi? Hada chicha ou la hada chachara ou la hada c'est du sol. Et donc on va essayer de classer. Donc cette classification, elle permet de restituer une certaine vérité terrain. D'accord? Par contre, un autre problème ici, c'est quoi? C'est que, bon, je vais revenir très rapidement le slide. Donc, on a parlé de position x, y, donc on a parlé de pixels. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que le pixel a une taille. D'accord? Donc, c'est ce qu'on appelle la résolution spatiale de l'image. Donc, je pense qu'une grande partie de vous ici connaissent les images, par exemple, à Landsat, donc une résolution spatiale de 30 mètres, c'est-à-dire que le plus petit objet qu'on peut distinguer, l'image, l'azimut confié 30 mètres sur 30 mètres, donc pour pouvoir vraiment l'identifier. Donc pour les images sentinelles, par exemple, c'est une résolution spatiale de 10 mètres, donc là, le plus petit objet qu'on peut distinguer par la manipulation de ce genre d'image, ben, l'azimut confié 10 mètres sur 10 mètres, sinon on ne peut pas l'identifier. Donc là, le souci, c'est quoi? C'est que lorsqu'on utilise par exemple des images les font 30 mètres, dans une résolution spatiale de 30 mètres sur 30 mètres, ben vous imaginez très bien qu'à l'intérieur de 900 mètres carrés, c'est-à-dire 30 par 30, donc ben, là, je un seul objet. Donc si on utilise le process classique lié à la classification, donc on va prendre un pixel, on va l'oublier dans la chicha, donc on va le chiche, ben, avec 30 mètres, ben, là, je la chiche. Donc, on a la chiche, on a du sol nu, on peut avoir je ne sais pas, du bitume, on peut avoir de l'asphalte, on peut avoir une partie de l'urbain. Donc, prendre un pixel, il fait 900 mètres carrés et on va le classer, on va l'affecter à une classe, ben, ça va induire certaines erreurs. Donc, et c'est ce qu'on appelle ici le mélange spectral. C'est-à-dire que le spectre qu'on observe, le pixel qu'on observe, ben, c'est quoi? C'est un mélange, tu as des spectres, tu as des matériaux qui sont présents à l'intérieur de ce même pixel. Donc c'est ce qu'on appelle le spectral mixing phénomène. D'accord? Donc pour illustrer ce que je viens de dire, donc je vais prendre juste un exemple très rapide. Donc ici vous avez deux types d'images. Bon par contre ce que j'ai oublié aussi de vous dire très rapidement, donc pour l'imagerie optique, donc j'ai parlé de la dimension tel pixel, la résolution spatiale, il y a aussi la résolution spectrale. Donc, lorsqu'on parle de résolution spectrale, donc là, on est en train de parler
de nombre de bandes spectrales. Donc, qu'est-ce qu'on a une seule bande. Là, on est en train de parler d'imagerie panchromatique. Qu'est-ce qu'on a quelques bandes spectrales, une dizaine de bandes spectrales. Là, on a l'imagerie multispectrale, c'est moi multispectrale. Et lorsqu'on passe à une imagerie qui a plus de 200 bandes spectrales, ici, on est en train de parler d'imagerie hyperspectrale. Donc, quel d'autre type, jusqu'à 1000 bandes spectrales. Donc, ça, c'est l'imagerie superspectrale. D'accord. Donc, ici, sur le slide header, donc vous avez sur la partie de votre gauche donc une image panchromatique avec une résolution spatiale de 1,6 m. Et sur la figure sur votre droite, donc vous avez une image hyperspectrale. Bon, une image hyperspectrale, ça, c'est juste une composition colorée. Donc, avec une résolution spatiale de 8 mètres. Donc, vous arrivez, je l'espère, que vous arrivez à distinguer ou bien à visualiser ces deux différents types d'images. Donc, sur celle de gauche, donc on arrive à voir plus de détails parce qu'on a une bonne résolution spatiale. Par contre, ici, c'est difficile de distinguer certains détails. Donc, à l'âge, parce que le pixel est un akbir, et à l'intérieur de ce pixel, on a plusieurs matériaux à l'intérieur. On a plusieurs objets, on a plusieurs classes à l'intérieur. Donc, si on fait un petit zoom sur l'image hyperspectrale, donc on arrive facilement à voir que certains pixels, c'est des pixels qu'on va appeler des pixels mélangés. Par exemple, il y a de la végétation, il y a de l'asphalte. Pareil pour le troisième pixel, ben, c'est un pixel mélangé. Donc, il y a de la végétation, il y a de l'asphalte. Par exemple, ici, c'est un pixel, on va dire que c'est un pixel pur, il fait rien que de la végétation. Maintenant, si on veut analyser au mieux les pixels, les spectres observés, donc si on veut éviter les erreurs de lorsqu'on veut restituer la vérité terrain qui nous intéresse, ben, le traitement à les pixels mélangés, il faut aller vers des méthodes un petit peu plus avancées pour analyser les spectres observés qui sont mélangés. D'accord ? Alors, maintenant, lorsqu'on parle de mélange, donc je suppose que pour les gens qui font un peu de maths ou là, qui font un peu d'informatique, lorsqu'on parle de mélange, lorsque j'ai deux variables, x et y, on aurait une khalatom, on aurait une mélangéhom, ben j'ai plusieurs manières de khalatom. Donc la plus simple, c'est on dit x ou y, on dit la somme binatom, donc x plus y. Donc x, c'est le premier objet, y, c'est le deuxième objet. Donc, moi, ce que je vais observer, l'image TI, avec un pixel cube, donc ce que je vais observer, c'est la mesure de x plus y. Je ne vais pas observer x wahda et y wahda. D'accord? Donc, l'une des manières de mélanger les choses, c'est nismouha la manière linéaire. Donc, on dit x, on dit y. Ça, c'est le plus simple. Si je veux aller un petit peu plus loin, donc au lieu de x plus y, on dit alpha x plus bêta y. Donc ça devient une combinaison linéaire. Et ça, c'est le mélange le plus simple, ça, c'est le mélange standard. D'accord ? Winter, il connaît le mélange standard, c'est lorsque la topographie, le terrain TI, elle est plus ou moins non accidentée. Lorsque le terrain TI, il est plat, et lorsque les objets TI, ils sont maintenus sous forme d'un damier. D'accord ? Et là, on a ce qu'on appelle le mélange linéaire. Par contre, lorsque le terrain TI il est un petit peu accidenté, ou bien j'ai des structures en 3D, par exemple en milieu urbain, où il y a des bâtiments, ou là en milieu agricole aussi, où il y a des arbres par exemple, donc là le mélange il ne devient plus linéaire, à l'âge, parce que là, ce qu'on appelle la multiréflexion. Donc avant que le signal, le satellite, avant qu'il soit capturé par le satellite, donc c'est ce qu'on appelle la multiréflexion. Donc avec la multiréflexion, elle va induire une certaine non-linéarité. D'accord ? Donc ça, c'est le mélange, ce qu'on appelle le mélange non-linéaire. Parmi les mélanges non-linéaires, les plus simples, les plus simples, ceux qu'on arrive à traiter, ceux qu'on arrive à manipuler, c'est des mélanges linéaires quadratiques ou là les mélanges bilinéaire. D'accord ? Donc, rapidement. Maintenant, l'objectif, donc, le problème, il est là, il est bien placé. Donc, on a le problème, c'est le mélange spectral. Donc, dans le cas standard, dans le cas linéaire, c'est le cas le plus étudié dans la littérature, donc, on a une combinaison, chaque spectre observé au niveau d'un pixel, c'est une combinaison linéaire, tu as les spectres, tu as chaque objet qui sont à l'intérieur du même pixel. Donc, nous avons une combinaison linéaire. Donc, dans le cas standard aussi, on parle aussi d'un. Lorsqu'on a un objet qui m'a dit que c'est un chicha, la physique de la télédétection, je dis que la chicha, elle est caractérisée par une signature spectrale. Donc, elle dit que la chicha a un spectre.
D'accord? Par contre, les méthodes classiques, le cas standard, avec le spectre, on va dire qu'il est unique. C'est-à-dire, quel que soit le chicha, n'importe quel endroit fait l'image TI, on a le même spectre. D'accord? Donc, on va utiliser un spectre unique. Ça, c'est le cas standard. C'est pour ça que je vous ai posé la question, c'est quoi la variabilité? Parce que même on va voir qu'il y a une variabilité spectrale. Parce que le chicha qui est stressé actuellement, mais il y a un chicha qui est bien arrosé. Donc, le spectre TH, d'accord? Donc, on a une certaine variabilité spectrale. D'accord? Donc, l'idée, c'est quoi? C'est un dit l'image, un dit l'observation. Et à partir de cette image, on va essayer de retrouver les spectres de chaque matériau et on va essayer de retrouver l'abondance de chaque matériau dans chaque pixel. Donc, lorsqu'on dit l'abondance, c'est la superficie occupée par un objet à l'intérieur d'un pixel. D'accord? Donc, l'objectif, on va essayer de retrouver les spectres, les clusters, les matériaux. Lorsqu'on va retrouver les spectres, ben, on va les identifier, on va pouvoir les classer et on va pouvoir les analyser. Quel est le spectre de chicha? Classé chicha. Quel est le spectre de hajra? Classé hajra. Et on va pouvoir aussi retrouver les abondances, c'est-à-dire la superficie occupée par chaque objet dans chaque pixel. D'accord? Donc c'est une sorte de classification qui est sous-pixelique. Donc au lieu, comme le pixel affecté à une seule classe, là qu'est-ce qu'on est en train de faire? Un pixel, notre fil d'écran, on je fais. On dit 30% de chiche, on dit 40% de son nu, on dit le reste, c'est de l'asphalte, là c'est autre chose. D'accord? Donc l'objectif c'est quoi? Retrouver les spectres, les matériaux, les clusters, retrouver leurs proportions, leurs abondances, et le mieux c'est de le faire d'une manière non supervisée. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on parle, on utilise le terme généralement, c'est ou bien la configuration blind. Donc, on essaye à partir rien que de l'observation, mais on ne dit aucune information en plus, mais on ne dit aucune information a priori. Donc, on essaye de restituer et les spectres, les matériaux et leurs abondances. D'accord? Donc, le principe, tu as les méthodes de démélange, le principe, tu as les méthodes, puisqu'on a un hadron.
Bon, un exemple ici. Donc, au lieu de représenter, par exemple, une classe par un unique spectre, donc là, ce qu'on essaye de faire, c'est représenter une classe, mais avec de la variabilité spectrale. Donc là, je crois que c'est de la céréale et culture, mais avec plusieurs variétés. Donc nous avons de la variabilité spectrale. Donc au lieu d'avoir une carte avec Galaudi Andir et la classe de la céréale et culture, avec un spectre unique, ben, qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir des cartes d'abondance, mais avec la variabilité. D'accord? Et avec la variabilité, par exemple, elle peut nous donner des informations. Galfi had le blasa, j'ai besoin de plus d'eau. Parce que Galaudi had le type de céréaliculture ou le blasa, ma fille hache le mabzef, donc la chicha théaï, elle est stressée, donc elle a besoin plus d'eau. Donc si on veut aller vers plus de précision, par exemple l'agriculture de précision, ben, ce genre de produits, à mon sens, ils sont extrêmement importants. Donc, je passe maintenant à une autre partie, les Huma, certaines fonctionnalités, bien certaines applications qu'on peut réaliser en utilisant les méthodes de démélange. Parce que ce qu'il faut aussi dire, c'est que le démélange, moi personnellement, je le vois comme une clé à molette, qui nous amène le biha bzef le bolonat. Andi miftah. La première fonctionnalité, ben, c'est la fusion des données. Je ne sais pas s'il y a parmi vous des gens qui font de la fusion, c'est ce qu'on appelle en anglais le sharpening. L'idée c'est quoi? C'est de combiner deux types d'images avec des résolutions différentes, on va les fusionner pour obtenir un autre produit qui n'est pas observable par satellite, mais le nouveau produit, il va combiner les meilleures résolutions, tu as le premier produit, et les meilleures résolutions, tu as le deuxième produit. Donc l'idée, c'est quoi? Par exemple, je vais prendre une image multispectrale, elle a une bonne résolution spatiale, ça a une faible résolution spectrale. Et je vais prendre une image hyperspectrale cette fois-ci, elle a une bonne résolution spectrale, ça a une mauvaise résolution spatiale. Bah, qu'est-ce que je fais? Donc, qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir de l'information spatiale et je vais obtenir de l'information spectrale pour la première donnée. Je vais obtenir aussi de l'information spatiale et de l'information spectrale. Bah, la meilleure information spatiale, l'image multi, nous dit la meilleure résolution information spectrale l'Égypte a l'hyper, on va adjeter, puisque j'ai démélangé, qu'est-ce que je fais? On combine. Qui fait une combinaison de la même manière qu'il m'a démélangé. Il a qu'un démélangé d'une manière linéaire, ben on va combiner d'une manière linéaire. Si j'ai fait le démélange d'une manière non linéaire, ben, lorsque je recombine d'une manière non linéaire. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui est, à mon sens, intéressante. Éventuellement, ça peut intéresser des étudiants qui font de l'informatique. Ben, ça peut faire l'objet de stages à l'NFCTS et marhaba bikoum à tout moment. Donc, je le redis à chaque fois, marhaba bikoum à tout moment. Donc, ça, c'est une première fonctionnalité, une première application. Ça, c'est un exemple de la fonctionnalité, tu as la fusion. Donc, ici, j'ai une image de référence. Ici, j'ai une image multi. Ici, j'ai une image hyperspectrale de faible résolution spatiale. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est de fusionner Hadi, Mahadi, pour avoir un résultat qui soit similaire à l'image de référence. Bon, Kingul, image référence, là, c'est juste pour évaluer la performance, les algos qu'on essaie de mettre en place. Mais en réalité, maintenant, j'ai une image de référence. D'accord? Alors, une autre fonctionnalité, c'est la détection d'objets. Par exemple, ici, on s'est intéressé aux panneaux solaires, aux panneaux photovoltaïques en milieu urbain. Et comment on peut réaliser la fonctionnalité? Ben, supposons, le mieux, c'est de faire le démélange d'une manière non supervisée. Maintenant, supposons que j'ai une information supplémentaire. Par exemple, je connais le spectre d'un matériau. Je connais un matériau qui m'intéresse. Je ne sais pas, on a le chicha numéro 1. On a le spectre Théha. Je suis le terrain avec un spectromètre. J'ai mesuré avec le spectre Théha. Je le connais. Donc, j'ai une information supplémentaire. Donc, l'idée ici, c'est quoi? C'est d'utiliser les méthodes de démélange, injecter de l'information supplémentaire. En quelque sorte, on va faire un démélange qui est partiel. Donc, on va injecter une information supplémentaire. Et l'idée, c'est quoi? C'est quoi? Je connais le spectre, le matériau qui m'intéresse.
Et qu'est-ce que je vais faire? Les abondances. Donc, l'objectif, il est double. Parce que le fait de la régression sur le spectre, ou l'abondance, ben, je suis en train déjà de le détecter. L'image, ça y est, détecter ça. Et le deuxième objectif, c'est quoi? C'est de calculer sa superficie qu'il occupe à l'intérieur d'un pixel. Et donc, lorsque je vais obtenir les superficies dans tous les pixels, je vais obtenir la superficie d'un objet qui garde la scène terre. Donc, l'objectif, c'est de faire du démélange partiel en injectant une information que je connais, une information supplémentaire. Et on est en train de faire du démélange partiel avec l'objectif de détecter et de cartographier et de calculer la superficie un matériau donné. D'accord? Donc, nous avons essayé d'appliquer le concept sur des images réelles pour détecter des panneaux photovoltaïques. Donc, nous avons utilisé une image hyperspectrale sur une zone, une région de la ville de Toulouse pour justement détecter les panneaux solaires. Donc, et le résultat, c'est quoi? Donc, le résultat, c'est les cartes d'abondance qu'on a pu obtenir. Et les cartes d'abondance, ben, pour les valider, pour valider l'approche TANA, ben, on a essayé de les valider en utilisant de l'imagerie, mais vraiment à très haute résolution spatiale. Là, c'est des ortho-images avec une résolution spatiale de 10 cm. Donc, il y a des gens qui disent que tu as directement l'image de 10 cm où tu trouves les panneaux solaires. Ben, là, il y a des gens qui disent les panneaux solaires, avec une imagerie de très très haute résolution spatiale, des bandes spectrales bzef, qui des bandes spectrales bzef. C'est-à-dire que chaque pixel, le spectre qu'on observe à l'intérieur, fait quelques valeurs, le vecteur TSRR, qui compte le vecteur TSRR, il y a pas mal de confusion. Ou les confusions, il y a un abribus, il y a c'est du vert. Alors que ce n'est pas du panneau solaire. Donc l'idée c'est quoi? C'est d'aller d'utiliser l'imagerie hyperspectrale avec une bande résolution spectrale, où il y a plusieurs bandes pour que je puisse détecter et identifier les panneaux solaires. Mais un des problèmes de la résolution, ben, qu'est-ce que je fais? Je fais du démélange partiel, mais je détecte d'une part, voilà le panneau solaire, voilà la localisation. Alors je fais la localisation. Bah, ce travail a été fait à la demande à la métropole de Toulouse. Parce que comme il y a les gens qui ont des panneaux photovoltaïques. Oui, les panneaux photovoltaïques ils sont subventionnés en France, la région de Toulouse. Ils accèdent les taxes. Et ben, pour éviter toute fraude, il y a des gens qui ont des. Donc avec ça, donc on a pu faire du démélange partiel pour détecter les panneaux photovoltaïques. On a utilisé exactement le même principe, puis une région, tu as le désert algérien, le Hogar, pour détecter un matériau qui est abondamment présent dans le Hogar, qui est la kaolinite. La kaolinite, je crois que c'est un matériau, un minier, qui est pas mal utilisé, par exemple, l'industrie pharmaceutique. Donc on a utilisé exactement le même concept, on connaît le spectre de la kaolinite, on fait un démélange partiel pour obtenir une carte d'abondance. À la kaolinite. Il y a certains collègues Manaf CTS qui ont fait du terrain, ils sont allés sur place pour essayer de valider un petit peu les résultats qu'on a pu obtenir. Une deuxième fonctionnalité, ou une autre fonctionnalité, une autre application, c'est quelque chose qui est en lien avec le traitement radiométrique à les images. Sur la donnée, je ne sais pas, mais une image mais avec des zones ombrées. Oui, on a le shadow, on a l'ombre. Donc, quand on dit l'ombre, je ne peux pas identifier bien les objets. Ben, on essaye de faire un masque sur la zone ombrée. Après, qu'est-ce qu'on fait? On va faire du démélange à l'intérieur des zones non ombrées. On va faire du démélange à l'intérieur de la zone ombrée. Qui n'est pas le démélange à l'intérieur des zones ombrées. Donc, je vais retrouver des spectres ombrés. Et donc, les spectres ombrés, je vais les remplacer par des spectres non ombré, la zone non ombrée. On va le combiner pour avoir une image corrigée du méfihage l'ombre. Donc ça, c'est du traitement radiométrique. Ça me rappelle, je vous ai. Alors, on peut faire aussi une autre application, c'est la détection de changement. Parce que là, je connais le démélange radiométrique des cartes d'abondance. Donc, je vais analyser les cartes d'abondance pour pouvoir détecter du changement sur une image.
Et ça peut très bien être utile pour le domaine de l'agriculture. La parcelle, le flanier, je ne sais pas, j'ai les deux images et je peux faire la détection de changement en utilisant ce genre de technique. Une autre application, la dernière, c'est un travail qui est en cours avec les collègues de Sonatrach. L'idée ici, c'est d'estimer certains paramètres physiques des torchères dans les zones industrielles. Là, je fais des paramètres physiques parce qu'ils permettent aussi de calculer le volume des gaz torchés. Et donc, c'est en lien avec l'environnement. Et là, on utilise des images de télédétection spatiale, mais prises de nuit. Donc, c'est des images qui sont caractérisées par une résolution spatiale très, 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 très faible, de l'ordre de 750 mètres, ou là même, ça peut aller jusqu'à 1 km. Donc, c'est des images de nuit. Kingulu, images de nuit, soit tu le background, soit tu le marché à la torchère. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est de faire du démélange pour retrouver les paramètres physiques à la flamme pour ensuite faire des calculs, tu as le volume, tu as les gaz torchés. Donc voilà, sur ce, je vous remercie. Atekom Saha. Encore une fois, Atekom Saha pour l'invitation. Et je reste disponible pour toute question. Merci beaucoup, Monsieur Karoui. Donc, une ou deux questions. Après, il n'y a que les chercheurs et les enseignants qui ont intervenu. Donc, moi, j'aimerais bien que ce soit des doctorants. Voilà, justement, on n'a pas écouté de doctorants. Il y a des doctorants en informatique et en biologie. Non, sinon... Je suis d'accord avec vous, madame. C'est vrai, il faut encourager les doctorants, puisque, en principe, tout ça, c'est destiné à eux, d'accord? Parce qu'ils sont en train de répondre à des choses, etc. Alors, je vous remercie infiniment pour votre présentation qui était très pédagogique, accessible pratiquement. Utiliser l'arabe avec le français. C'est ça l'objectif, de toute façon. Oui. Alors, réflexion vient à l'esprit. Est-ce que les approches unmixed, est-ce que l'objectif c'est économique en quelque sorte, de telle manière, c'est-à-dire au lieu d'utiliser des satellites qui coûtent très cher, ou bien qui coûtent bien plus cher, si on va les sous-traiter, faire des sous-traitances, c'est-à-dire je vais utiliser un satellite rudimentaire. Mais avec les software que j'ajoute à l'aspect matériel rudimentaire, j'améliore et j'obtiendrai ce que je peux obtenir avec des satellites meilleurs. Est-ce que c'est ça l'objectif? Mais franchement, je vous remercie pour votre question. Mais je pense que le point de départ, il est inversé. Parce qu'à un moment donné, disons que la technologie, elle n'était pas très avancée. Donc, surtout, très avancé pour améliorer la résolution spatiale, tu as les images ou tu as les satellites. Donc, à un moment donné, c'était du Landsat, c'était du 30 mètres. Si on veut faire de la précision, il faut aller à l'intérieur de chaque pixel et voir qu'est-ce qu'on peut faire. C'est pour ça que j'ai les méthodes de mélange. Maintenant, petit à petit, on essaye d'aller vers des résolutions beaucoup plus fines. Cette résolution beaucoup plus fine, elle va se faire au détriment de la résolution spectrale. Donc, j'ai envie de dire que les produits, les différents types d'images, ils sont complémentaires. Donc, Galaoudé, par exemple, qui m'a dit l'exemple, les panneaux solaires, je vais utiliser une imagerie à très très haute résolution spatiale pour les détecter. Éventuellement, dans certains endroits, vous pouvez le faire, mais dans certains endroits, vous ne pouvez pas le faire parce que vous allez avoir de la confusion, donc vous avez besoin d'un autre produit, donc c'est un petit peu complémentaire. Maintenant, c'est vrai, ce que vous dites, il est tout à fait vrai. Parfois, lorsque la donnée n'est pas disponible, et on dit dire une image de faible résolution spatiale, je voulais l'utiliser. Le mieux, c'est de l'utiliser et aller vers ce genre de méthode qui permettent d'obtenir une information beaucoup plus fine, beaucoup plus précise. Et
J'ai une petite. Là, quand on fait le cours sur les plantes, on dit que les plantes reçoivent que entre 0,1% jusqu'à 1% de l'énergie solaire pour la photosynthèse. D'accord. D'accord. Alors, il y a deux situations qui se présentent. C'est la question que, par rapport au spectrum mixing, vous avez des terrains qui prennent une seule plante, une seule espèce, qu'on appelle la monoculture. D'accord. Le cas des céréales. D'accord. Qui sont bien travaillées. Mais à l'intérieur, il n'y a pas de plantes, ce qu'on appelle les plantes surfaces, entre guillemets, pour être plus clair. On appelle les plantes adventices. Mais ça craint du sol aussi. Alors, et alors, l'autre côté, il y a une diversité d'espèces qui vivent avec les céréales. D'accord. D'accord. Maintenant, cette notion de. Parce que il y a, vous avez parlé de. J'ai vu dans la diapo le terme réflectance. Oui. Parce que quand l'énergie arrive, on a besoin d'avoir un rendement énergétique plus élevé pour la plante qu'elle puisse fonctionner par la suite. D'accord. Et vous avez parlé de spectrum mixing. Oui. La question qui se pose, est-ce que ces mixels, ces pixels à faune, ces spectrum mixing, on peut les considérer dans les deux cas, je ne dis pas identiques, mais dans les deux cas, où il y a, je dirais, un rendement énergétique plus important par rapport au spectrum mixing à deux, est-ce que c'est dans le cas où on a une seule espèce, ou c'est dans le cas où il y a une espèce dans laquelle il y a en association d'autres espèces, qu'on appelle les espèces spontanées. C'est exactement le phénomène de la variabilité spectrale. Donc on peut avoir une classe de céréales, je ne sais pas, une plante, il y a un rendement énergétique comme l'air, on connaît le spectre TH, fait un seul terrain, là on n'a pas de variabilité spectrale, avec une autre parcelle, oui, avec la même plante, mais avec, bon, on va dire, moins performance. Donc là, c'est de la variabilité spectrale. Donc si on prend en compte le phénomène de variabilité spectrale à l'intérieur des méthodes d'analyse, je ne vais pas vous garantir à 100% que vous allez obtenir un résultat parfait, mais ça va améliorer les résultats des méthodes classiques. Dans le cas où il y a des maladies, parce que c'est une dynamique dans le cycle de la plante, il y a une période ou une phase du cycle où il y a un problème de maladie. Je donne l'exemple qui est très connu, l'aile d'Elia. Oui. Il y a une maladie qu'on appelle mildiou qui couvre les feuilles en surface. D'accord. Donc là, c'est un grand problème pour recevoir de l'énergie qui va être utilisée par la suite. D'accord. Donc comment, est-ce que vous avez des cas comme ça, même pour les céréales? Quand les céréales sont touchées par des maladies qui touchent la partie supérieure de la feuille, ça c'est un problème pour disons, la notion d'abondance et de... En fait, il y a deux choses, il y a deux points. Alors, quel est le premier point, Galaudi, de la végétation, les feuilles, les rames malades et tout. Déjà, la première question, c'est est-ce qu'on peut les voir déjà l'imagerie satellite. Ça pose le problème de la résolution spatiale. Même si on utilise le démélange, c'est-à-dire on va démélanger les choses, c'est pas vraiment sûr pour jusqu'à aller à l'échelle, à la feuille ou à la plante pour voir ça. Par contre, il y a d'autres types d'imagerie ou d'autres produits qui sont complémentaires. Au lieu d'aller vers le satellitaire, on peut faire de ce qu'on appelle la proxy détection par les drones, par exemple. Et là, on peut avoir des capteurs qui peuvent aller jusqu'à l'échelle, à la plante TAC, pour voir est-ce que Rahim Rida ou la Mahisham Rida. Même après, il y a des Rahim Rida qui peuvent analyser le spectre, le spectre observé, qui est analysé, qui connaît assez de bandes spectrales. Là, il y a éventuellement, il y a certaines longueurs d'onde, il y a certaines bandes spectrales qui sont indicatrices de présence d'une certaine maladie. Et ça, je dirais que c'est possible de le faire. Mais pas nécessairement l'utilisation de l'imagerie satellitaire, mais peut-être par ce qu'on appelle proxy détection par les drones. On n'avait jamais eu de cas comme ça. C'est-à-dire des études dans ce sens. Oui, on va chauffer la maladie, t'as les plantes et tout. À ma connaissance, non. C'est difficile de le faire. C'est vraiment difficile de le faire. Une petite question de curiosité. Déjà, je vous remercie pour votre présentation très pédagogique. En fait, derrière un pixel, quand il y a un seul objet, c'est facile. Donc là, la difficulté, c'est quand derrière ce pixel-là, il y a plusieurs types d'objets. Vous avez cité, on peut faire une sombre, on peut faire une sombre pondérée. C'est une question vraiment de curiosité, parce que là, on est quand même dans le domaine de l'électromagnétisme,
dans le domaine de la physique. Oui. Alors, je ne sais pas, est-ce que les physiciens en électromagnétisme, est-ce que ils ont des choses à dire là-dessus? Est-ce que ça a du sens de faire une combinaison linéaire? Peut-être qu'il faut aller vers des modèles non linéaires. Peut-être que la façon avec laquelle se combinent ces spectres-là, peut-être qu'il faut aller vers des gaussiennes ou vers des choses plus complexes. Est-ce qu'il y a des choses qui existent en électromagnétisme de par rapport à ce problème? Justement, c'est ce que j'ai essayé d'illustrer au début de la présentation. Wingultz, quel est le type? Tu as le mélange, quelle est la nature? Tu as le mélange. Wingultz, lorsque le terrain TI il est relativement plat, Wing, les objets ils sont agencés d'une manière, tu as un damier. Donc, Wing, ma nage de la multiréflexion, là, le modèle de mélange, il est pratiquement linéaire. Même s'il y a certainement linéarité, elles sont négligeables. Par contre, donc ça, c'est vraiment des physiciens qui disent ça. Après, dans le cas où il y a des structures 3D, en particulier en milieu urbain, ben, c'est les physiciens aussi qui disent ben, le linéaire n'est pas suffisant, il faut aller vers du non-linéaire, et ils ont établi, ben, c'est des physiciens, je peux vous citer très, très, très rapidement, c'est des collègues à l'ONERA de Toulouse, où ils ont utilisé des simulateurs, où ils ont établi le modèle de mélange, quelle est la nature, tu as le modèle de mélange dans le milieu urbain. Oui, ils ont vraiment dit que c'est du linéaire quadratique ou bien c'est du bilinéaire. Après, certainement, il y a des non-linéarités d'ordre supérieur, mais qui restent plus ou moins négligeables. Voilà. Donc, je vous remercie, M. Karoui, pour la qualité. Vous voulez intervenir? Donc, encore une question d'un enseignant-chercheur. Donc, je partage tous les commentaires de mes collègues et je dirais motivante moi, pour les doctorants et ça, hein, tout simplement. Une question très très télédétection. Et je pense. Si on veut résolution spatiale et vice versa. Oui. Elle achète le phénomène. Est-ce que tu peux, est-ce que technologiques. Alors, je vais essayer de. Ben, ça peut être une réponse très compliquée, mais juste. Non, mais c'est pas vraiment une réponse très compliquée. Je me remémore un petit peu mes connaissances sur le phénomène. Alors, en fait. Nahadro, généralement, à l'angle de prise de vue, tu as l'image, le IFOV, d'accord? Donc, madame le IFOV, Ikber, madame la résolution spatiale, tous les moins fines, d'accord? Donc, madame tous les Nkabroha, on va recevoir plus de photons. Il me semble, ben, je parle j'ai des collègues physiciens qui peuvent me corriger. Donc, madame Nkabr, madame, je reçois plus de photons. Donc, et là, ça joue sur la résolution radiométrique, tu as l'image. Maintenant, si je veux affiner la résolution spatiale, je vais recevoir moins de photons. Et si je veux garder la même résolution radiométrique, les filtres les indifs, le capteur TI pour recevoir encore plus de photons. Qui naqasse le nombre de filtres, il naqasse la résolution spectrale. Il me semble que c'est un petit peu ça, la Moran-Lichrald. Merci beaucoup. Même madame la vice-rectrice qui a fait de la physique de la population, qui peut me corriger aussi. Hein. J'ai fait de la télédiction en 2003, donc mais c'est vrai que c'est la base. Je vous remercie pour la qualité, la grande qualité pédagogique de votre exposé. Je pense que tout le monde l'a constaté parce que vous avez présenté les choses d'une manière très 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 fluide, très très simpliste. On vous félicite pour ça. Donc voilà, donc pour attestation de participation. Merci beaucoup.